Si par exemple Maître Gims était élu, est-ce qu'on se souhaiterait bonne année? Ah bah évidemment, mais avec le même accent qu'il a fait sur la vidéo, où il force un petit peu. Mohamed Atman. Ça c'était bien ça. Faut qu'il garde le même accent. C'était bien, hein. J'ai trouvé ça insupportable, moi. Vraiment, ça m'a... Je trouvais ça très drôle. En vrai, quand il force l'accent, moi je trouve que bon, c'était bon. Mais ce qui m'a le plus agacé, c'est ce que ça dégage comme message derrière dans la période qu'on traverse. J'imagine qu'il a pas fait ça méchamment et que je suis sûr que c'est un super mec et tout, mais... Moi, en tant que citoyen, ça m'a... Je me suis dit, oula, il se donne un rôle qui n'est pas du tout bon. La religion, c'est pas se fermer sur soi-même et rien rendre en retour. Même si ça, tu fais pas la bonne année, on te demande pas de finir le cul à l'air dans un bar en train de chanter du Patrick Sébastien. Tu fais pas la 31, mais sois poli. En tout cas, je suis pas sûr que lorsque quelqu'un dise une bêtise, ça mérite qu'on en parle tout le temps.